Bonjour, bonsoir, chers amis. Très heureux d'être avec vous encore une fois pour notre excellente présentation d'aujourd'hui. Suivez votre chaîne d'instruction Fitmax et les Gensia. Aujourd'hui, nous allons parler des accessoires des femmes, le port des bijoux. Bonjour à vous-même qui abonnez, merci nous dire. Merci à vous-même qui suivez nous là et vous-même qui pouvez vous abonner, nous invitons à faire ça comme ça, vous ne ratez aucune notification. Le port des bijoux. Une femme pas doit porter plus que trois accessoires en même temps. Ou pote yon bouk d'oreille, gen bouk d'oreille, gen collier, gen bracelet, bag, etc. Ou pa ki doit pote plus que 3 en même temps. Lorsque ou pote yon grand collier, yon grand bouk d'oreille qui extravagant, ou pote yon collier qui insignifiant. Ou bien pa mette du tout. Pour ça, tout ça dépend de tenue que ou mette yon, ou capable de pote avec yon sautoir. Vice versa, lorsque pote yon grand collier imposant, ou pote yon bout d'oreille insignifiant, yon petit point à l'oreille ou bien pas mettre du tout. Ou pas gen doit mettre deux grandes bagues dans un seul main. Ou ka mettre yon seul bague, yon seul grande bague plus l'alliance. Et ou ka pote deux bagues en même temps dans yon seul main, mais pas deux grandes bagues. Ou mettre l'autre grande bague là dans l'autre main. Pas de bracelet montre pour les femmes en robe de soirée. Sauf s'il fait en pierre précieuse, capable de faire. Pas de perles, pas de brillants pour les femmes avant midi. Ou cas besoin de briller, ou besoin de mettre des perles pour paraître, mais pas avant midi, le matin. Les pendentifs. Ou capable de gagner un grand, parce que gagner deux grands, gagner deux boucles d'oreilles qui sont très pendants, yo très long, ou pas qu'à mettre yo avec une robe courte. Vous mettez avec une robe qui est longue et vous mettez avec les cheveux au dos, cheveux au vent. Ou pas qu'à faire un chignon pour mettre un pendentif avec. Lorsque vous faites un chignon, vous portez des points. Petites boucles d'oreilles. Une tenue qui est vraiment décorée avec des perles. Parce qu'il y a des robes qui sont vraiment ornées de perles. Ou pas porter bijoux. À la rigueur, capoter un petit bout d'oreille insignifiant parce que ou déjà orné de perles, ou pas capable de mettre bijoux encore et pour mettre un grand collier, un grand bout d'oreille, non, bague, etc. Ou pas capable parce que ou déjà orné de perles. Et lorsque ou gagne un grand collier qui est imposant, ou voulez pour le paraître, ou mettez avec une tenue de couleur unie. En même temps, lorsque vous mettez un collier, une boucle d'oreille qui est vraiment imposant, vous mettez lui avec une tenue qui est très simple. Couleur unie et puis très simple. Bague qui est insignifiant, qui est très simple. Ou bientôt, vous portez bague là dans l'autre main. Parce que vous n'avez pas gagné deux imposants dans une seule main. Bague la grande, eh bien, ou pas porter un grand bracelet, ou porter un bracelet qui est très simple, et ou bien porter dans l'autre main. Donc, toujours surveiller boucle d'oreille et collier, bague et bracelet. Évitez d'être too much coloré. Donc, lorsque vous mettez trois couleurs, vous pas machin, par exemple, ou bien un collier vert, ou bon boucle d'oreille qui gagne perle vert là-dedans. Bracelet ou gagne des perles vert. Et puis robe ou encore, li chargé vert là-dedans. Tout le monde vert. Soyez élégante partout et en tout. C'est ça qui fait une femme. Wap côté un maquillage très simple, tu seras vu parce que une femme chic, une femme élégante n'a pas besoin de maquillage extravagant pour être belle. Non, c'est des fois que vous prenez soin, vous mettez l'air de beauté, vous mettez des trucs qui vous rayonnent le visage. Et puis, un maquillage très simple
ou pas besoin en pile et éviter de porter des fonds de teint qui pas couleur. Ou pas mettre fond de teint qui exactement à la couleur comme ça ou pas fin mettre fond de teint ou ouais tellement li à la couleur tellement ou li bien chita sou et ou on pas même besoin mettre mais il faut faire mais c'est une façon de parler pour voir que faut que li aller avec la couleur pas mettre dans tête ou que fort riche pour capable élégante fort gain grand l'argent gros l'argent pour acheter de grandes choses. Avec les petites choses, on peut faire des merveilles. On pas besoin d'un riche pour capable élégante. Et pas maintenant tête tout que forme capable empêcher que ou élégante. Ou compte qui forme ou gagner, met ton tenue qui a avec forme. Il y a un monde qui en est vraiment gros et puis en bas très fin. Soit j'aime monde ça ou des habillements qui vraiment à la avec eux. Ou connaît comment on pas pour mettre un bagage qui coince ou qui pèse ou parce qu'on déjà connaît qui forme que gagne et on monde tout qui gagne en bal qui très large en lève etc. Donc vous cherchez une tenue qui allie avec vous pour capable élégante. Élégance là c'est pas qu'on salvini, c'est vous même qui cherchez, tu te fais élégante. Pas oublier que vous capable habiller très cher, très chic avec des choses qui très 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 chères. Mais si le langage n'est pas soigné, il n'y a pas d'élégance. Femme, pour être élégante, soignez vos langages. Pas répéter n'importe quoi, n'importe quelle chose vulgaire. Non, les mots vulgaires, pas pour une femme élégante. Donc, soignez vos langages, contrôlez comme on a parlé. Contrôler habillement nous et puis comme ça vous serez des femmes très élégantes. Merci à nous toutes qui t'a suivi nous et nous casser rendez-vous pour une prochaine fois ou même qui vous abonner nous invite à faire ça pour la prochaine notification sortie pour capable joindre nous à temps. Merci et à la prochaine. Ciao ciao.